Hello, chers téléspectateurs, je suis encore de retour dans l'émission Qui est-ce ? Que vous trouvez nulle part ailleurs que sur Precision TV. C'est toujours avec moi, Karen Omutesi. Merci beaucoup à la bonne collaboration de Eric Nyunguru et Blaise. Je peux aussi oublier de remercier Fiona Virgua pour sa collaboration en vidéo directing. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire le subscribe, cliquer sur like ainsi que de partager. Nkurikirana Kies kuri Precision TV na Karen Umutesi nibagirwe gukora subscribe na like cyangwa se share. Vous le savez, chers téléspectateurs, dans l'émission Qui est-ce, je vous parle du film, du sport, de l'éducation, de la santé ainsi que de la musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la musique gospel ici au Rwanda, lancée à Fléau, qui est la Africa Let's Worship. L'événement se déroulera ce vendredi, le 23 mars 2018. Il se passera à CLA, qui est Christian Life Assembly, à 20h. 20h, ce sera la nuit, donc ça débutera de 20h jusqu'à l'aube. Bienvenue, vous tous chers chrétiens, vous tous qui n'êtes pas chrétiens aussi, vous êtes toujours les bienvenus à CLA, là où il se déroulera l'événement Africa Let's Worship qui est à Fléau. Je vous rappelle qu'il y aura toujours des différents worship teams d'ici Let's Worship. Encore plus, l'événement annuel de Passion Widimana qui est connu au titre de Easter Celebration. Tariki ya mbere mata 2018 umuramyi Patient Bizimana afatanije na East African Promoters yishimiye kubagezaho Easter Celebration 2018 Pan African Chapter afatanije n'icyamamare mpuzamahanga mu njyana ya gospel cyo muri Nigeria Snatch itsinda rye ndetse n'abaramyi basize amavuta Eme Uwimana na Israel Mbonyi ni muri parking ya Stade Amahoro guhera saa 9 z'amanywa. Gura itike yawe guhera ku itariki ya 5 Werurwe ku 10,000 muri VIP n'ibihumbi bitatu wahasanzwe cyangwa ku munsi nyirizina kuri stade ku 15,000 muri VIP n'ibihumbi bitanu ahasanzwe. Hari n'ameza y'abantu 8 ku 200,000 gusa. Halleluya. Kungaya. Je vous rappelle qui sera là, notre pasteur, notre bien-aimé Senga Emmanuel. C'est lui qui sera là comme MC du jour ou bien comme le moderator, comme ils le disent communément, bien comme ils le disent toujours. Donc il ne faut pas rater l'occasion, chers téléspectateurs, ça sera du show, ça sera de vraiment. Et on aura du bon moment avec les différents groupes de worship team d'ici à Kigali ainsi que d'ailleurs. L'événement c'est AFLEO, Africa Let's Worship, qui a été organisé par les différents chrétiens d'ici à Kigali ainsi que d'ailleurs. Donc il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater cette occasion. Je vous invite tous de venir là, ça sera du show. Je m'appelle Jemima Karima. J'aime l'émission Qui est-ce sur Precision TV avec Karen Mutesi. Bienvenue encore, chers téléspectateurs, dans l'émission Qui est-ce d'aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi, Karen Omutesi. Merci beaucoup à la bonne collaboration de Blaise et de Eric. Je ne peux pas oublier de remercier Fiona Virgua pour sa collaboration en vidéo directing. Je vais vous parler de l'événement à Fléau qui se déroulera demain. Demain, ce sera le 23 mars 2018, ça passera à CLA, Christian Life Assembly, c'est à Nyarutarama. L'événement se débutera à 20h et c'est jusqu'à l'aube, donc c'est en veillée ou bien en overnight. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, il ne faut pas rater l'occasion, s'il vous plaît. Il ne faut pas vraiment rater l'occasion. Ça sera du show, il y aura du present worship, ou bien le louange de l'adoration, ou bien le worship. Donc, il ne faut pas toujours rater. Il y aura des différents chrétiens, des différents groupes de worship team d'ici à Kigali, ainsi que d'ailleurs, on sera avec Senga Emmanuel comme MC du jour, ou bien le moderator, comme vous le disiez communément. Donc, il ne faut pas toujours rater. On sera aussi avec Pasteur Jimmy Muyango de l'église Potaz Hand Church. Donc il faut toujours venir, chers téléspectateurs. Je vous invite, il faut toujours venir, ça sera du show. Nitwa Umunyana Shanita, ndi igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2018, nkurikirana Kies kuri Precision TV na Karen Umutesi. Nibagirwe gukora subscribe na like cyangwa se share.
À part l'événement AFLEWO, qui est Africa Let's Worship, il y a aussi l'événement annuel, l'événement ISTA Celebration, organisé par Patient Bizimana et son groupe. Donc, il sera avec le Shekinah Worship Team. Donc, il ne faut pas aussi rater, ça sera le 1er avril au parking de Stade Amahoro. L'entrée est fixée à 3000 francs pour les places normales, ainsi que 5000 francs pour les places VIP. Donc, il faut aussi acheter les tickets. Il faut acheter ce qui est, puisque le jour de l'événement, le ticket sera à 5000 pour les places normales et à 15000, à 10000 pour les places VIP. Il sera avec l'invité spécial ou bien le worship leader ou bien, je ne sais pas comment dire, mais c'est Sinach. Sinach est connu au titre comme Waymaker. Il est connu aussi au titre comme Anoruwayem. Je crois que vous la connaissez très bien. Vous la connaissez très bien, la chanteuse, c'est Sinach. Elle vient de Nigeria. Donc, il ne faut pas rater l'occasion, chers téléspectateurs. Ce sera le jour du Pâques, ce sera le 1er avril 2018. Elle sera avec Patient Bizimana. Ça débutera à 15h jusqu'à 20h, bien à 21h. Donc, venez nombreux, chers téléspectateurs. Je souhaite vous voir là. Ce sera du show à Kigali, à Mahoro Stadium. Toujours faire le subscribe, cliquer sur j'aime et surtout de partager. On est déjà à la fin de l'émission qui est aujourd'hui. Vous étiez toujours avec moi, Karen Omoutesi, à la présentation. Je vous parlais de l'événement AFLEWO ainsi que de l'événement ISTA Celebration. Donc, il faut toujours y aller. Donc, ce sera du show. Il faut toujours aller là. Donc, venez nombreux, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez avec moi, Karen Omoutesi, à la présentation. J'étais avec Eric Nyonguru ainsi que Blaise dans la collaboration technique. Je n'ai pas oublié de remercier Fiona Virgua pour sa collaboration en vidéo directing. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire le subscribe, cliquer sur like ainsi que de partager. À la prochaine fois, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Au revoir.